Bonjour, c'est Choupidou, très heureuse de vous retrouver après une si longue absence. En effet, j'ai eu un gros souci dans ma vie perso. Il a fallu faire plein de choses, remettre de l'ordre. Du coup, j'ai déménagé. Là, j'habite sur Palavas-les-Flots. Donc, je suis native de Palavas-les-Flots, donc je suis revenue après 8 ans d'absence dans mon village, dans l'endroit que je préfère. Puis j'ai de la nouveauté aussi, j'ai un nouveau chéri avec qui j'habite actuellement, c'est notre chez nous. Donc pour l'instant nous n'avons pas trop, enfin, on est déjà en place mais on n'a pas tout terminé. Il nous manque quelques petits rangements mais je pense que d'ici fin septembre ça sera fait. Ça a été très très éprouvant dans le sens où quand on travaille, moi j'ai mon boulot principal dans un magasin de déco, je vous l'avais déjà dit. Puis j'ai des spectacles aussi puisque je suis artiste et il a fallu préparer le déménagement, déjà trouver un logement, préparer le déménagement en plein été, c'est assez compliqué puisque Palavas-les-Flots c'est une station balnéaire, il y a beaucoup de monde l'été et nous avons emménagé au 1er juillet. Donc ça n'a pas été simple, une année on va dire riche finalement, mais beaucoup de choses qui ont explosé, qui se sont mis en place par la suite. Enfin voilà, l'essentiel c'est que je vous reviens parce que vous m'avez manqué. Je n'ai pas fait d'achat sur l'Express pendant toute cette période-là. J'ai fait quelques achats à droite à gauche, mais lors de sorties shopping. Ça a été quelque chose de un carrefour très spécial de ma vie. Mais là, je suis là. Maintenant, ça va être récurrent puisque avec mon conjoint, on compte vous filmer aussi des vidéos tous les deux puisqu'il il cuisine très très bien et il a beaucoup de recettes bio, de recettes réparatrices pour la peau. Il fait du sport, donc là aussi, il va vous présenter quelques vidéos. Il fait pas mal de choses. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Il fait du roller. Moi, j'ai beaucoup d'idées en tête aussi concernant les vidéos. J'ai eu le temps de réfléchir. Du coup, mais je voulais pas revenir quand on n'a pas réglé son perso, ça sert à rien de venir. Ça se ressent de toute façon, en tout cas chez moi ça se ressent. Donc là, je vous reviens aujourd'hui déjà pour vous annoncer tout ça. Je vous remercie celles qui sont restées, j'ai vu que j'ai pas vraiment perdu trop d'abonnés. Donc merci à celles qui sont restées, qui attendent patiemment. Bon, je sais qu'il y a d'autres youtubeuses, mais qui attendent patiemment les vidéos. Donc là, ça va être récurrent, puisqu'on va en faire minimum une par semaine pour commencer. Puisque là, les touristes s'en vont progressivement, donc tout va rentrer un peu, on va dire, dans l'ordre au niveau des places de parking déjà, au niveau du bruit, puisque j'habite face à la fête foraine, je suis pas loin, donc le soir déjà c'est les manèges, on les voit en plus. On a une vue splendide sur tout Palavas, on voit le casino, on voit le phare pour celles qui connaissent un peu, on voit tous les feux d'artifice, c'est parce qu'on est au troisième, donc on a une super vue, on voit les mouettes aussi. Ça c'est assez exceptionnel. Donc là tout va rentrer un peu dans l'ordre. Là je suis à 10 minutes de mon boulot, donc c'est une gaine de temps pour nous parce que mon conjoint travaille actuellement avec moi au magasin. Il a eu un petit poste pour l'instant. Mais il y a plein de choses qui se mettent en place. Moi je vais faire une formation peut-être dans l'année. On va acheter une GoPro puisqu'on va partir un peu à droite à gauche faire pas mal de vlogs. Enfin voilà. Là je viens de recevoir une partie d'une commande AliExpress. Donc du coup je suis vite, je me suis dit bon c'est le moment. Déjà je voulais vous montrer ce que j'ai acheté cet hiver chez Sephora. J'ai acheté, moi ça a été une partie de rigolade avec une copine à moi avec qui je travaille qui s'appelle Harmony. Je sais pas si elle regarde la vidéo, je pense qu'elle va. Si elle regarde, elle va rire. J'ai acheté, mais elle aussi pour sa maman du coup, de chez Too Faced. Le lip injection extrême, alors ça coûte 25 balles, mais alors c'est à essayer, donc regardez, hop. Donc en fait, le principe, je ne sais pas trop, apparemment c'est un produit repulpant, instantané, tout ça, après je ne connais pas trop les composants, je crois que c'était du collagène dans ce style-là, mais l'effet, c'est que ça vous fait un appel de sang dans la bouche, et du coup ça vous fait gonfler les lèvres, donc là ça faisait un moment que je n'en avais pas mis, puisqu'avec quand on a un chéri, on fait des bisous non-stop, hein, c'est normal. Du coup, là, je suis toute seule puisqu'il bosse. J'ai dit, tiens, pour la vidéo, je vais penser à leur présenter ce produit. Donc, ça vous fait un appel de sang, vous avez la bouche complètement, presque ankylosée, qui pique et vous la sentez gonflée, quoi. Donc, ça a son petit effet, je dirais, trois quarts d'heure, une heure. Si on peut le sceller avec un rouge à lèvres ou un liquide mat,
Et ça tient beaucoup plus longtemps, du coup, le rouge à lèvres. Et mais ça vous fait un truc de fou. Enfin, c'est à essayer, 25 euros. Enfin, je pense que moi, je l'ai acheté l'hiver dernier, en novembre, je crois. Donc, on peut le trouver pour peut-être 20 balles sur le net. Enfin, c'est, voilà. C'est Too Faced qui fait ça. Et on avait essayé ça dans la voiture. On se regardait, enfin j'avais fait Snapchat avec Harmony, on avait la bouche et après on allait au boulot, on avait une bouche toute rouge, toute gonflée. Là je crois que j'ai pas trop fait déborder, donc je vais en remettre un peu. En fait le but c'est de faire déborder aussi sur le dessus de lèvres. Et oui, alors je sais pas celle qui me suit, je sais pas si vous êtes rendu compte, j'ai perdu beaucoup de poids aussi. Le poids, un poids suite à des problèmes d'ordre de santé, on va dire. Enfin, c'est pas réellement des problèmes, mais bon, du coup, je suis à ma taille habituelle. Donc, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai commandé? Hop. J'ai commandé sur AliExpress du stamping, parce que du coup, j'allais même plus, hein, pour vous dire, j'étais même plus sur AliExpress, quoi. Le goût à rien, enfin, voilà, c'était assez compliqué. Donc, du coup, je me suis aperçu qu'il y a des plates, enfin, j'arrive... après la guerre, hein, certainement, mais c'est pas grave. Je me suis aperçu qu'il y a des plaques de stamping qui sont sorties en plastique. Donc là, j'en ai essayé une. Bon, je ne l'ai même pas nettoyée, super. Et en plus, celle-ci. Alors, par contre, pour vous les présenter, ça va être compliqué. Parce que même moi, là, par transparence... Alors, je vais voir si sur un set... J'ai un set, là, en 6 mm vinyle, là. Je vais voir. On va improviser. L'impro, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, si je fais ça, est-ce qu'on voit? On voit aussi la déco du set de table. On voit pas des masses. Après, on voit qu'il y a des logos. Là, c'est j'ai Gucci, j'ai Victoria's Secret et Gucci. Voilà. Donc, en fait, c'est du plastique. Hein. On sent bien le relief pour que ça puisse prendre le vernis. Bon, vous avez des vidéos de stamping. Pour celles qui connaissent un peu le nail art, vous appliquez un vernis à stamping, vous raclez, vous prenez un tampon. Alors là, ça tombe super bien parce que j'ai un tampon transparent. Donc, je peux bien voir ce que je prends parce que franchement on n'y voit pas grand chose. Et vous appliquez sur vos ongles. Franchement ça c'est nickel. C'est nickel. Puis on se tranche pas parce qu'il y avait les autres avec celles qui étaient en fer, je me tranche. On peut se blesser. Là celle-ci, voilà. C'est du plastique. Du coup j'ai commandé, je crois que c'est un lot de 10. Il y a plein de motifs. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Il y a plein de motifs. Après, si vous voulez vraiment un swatch, je peux vous faire ça l'après-midi pour celles qui veulent. Je crois que j'ai payé 5 euros le lot, 5 euros et quelques, le lot de 10 plaques comme ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, là j'ai Louis Vuitton aussi, je ne sais pas si on le voit. Je vais la sortir. Franchement, je suis agréablement surprise et puis du coup, ça me fait notre collection. Je suis fan. Voilà. Là, on voit le Louis Vuitton. Je vois rien du tout. Ah, mais toujours pareil, hein, je suis toujours aussi à droite de mes mains. Je sais pas. Bon, bref. Louis Vuitton et Saint Laurent. Voilà. Après, c'est que des pleins de motifs différents. Des escargots, là. Ah, oui, on les voit, ouais. Ça y est, je vois. Voilà, donc c'est très sympathique. Et il y avait aussi ce système de pochoir. Donc le pochoir, en fait, ça reprend l'idée d'un tuto, si vous voulez aller voir, que j'avais fait en début de ma chaîne, avec des petits livrets pour princesses, pour les petites filles, où on peut... ça fait des pochoirs, c'est pareil, du coup c'était sur des planches en plastique comme ça, et il y a des pochoirs, et moi je m'en étais servi pour prendre un motif quelconque sur une plaque stamping, et là du coup c'est pareil, sauf qu'il y a des French. Il y a des French, on peut se faire une French de n'importe quel motif. Vous mettez sur un motif et vous prenez exactement le motif qu'il vous faut, mais en French, en ongle plein, enfin voilà. Donc j'ai pas testé. Et la plaque étant, ça coûte rien du tout, ça coûte 30 centimes je crois. Ouais, la plaque est on va dire un aluminium un peu costaud, mais c'est pas tranchant. C'est pas tranchant. Ouais, puis en plus, je me suis acheté plein de choses. Tout est plus ou moins encore dans les cartons, mais je me suis acheté des fringues, des chaussures, des parfums, ben, tout l'hiver quoi. Mais en boutique sur Montpellier. J'ai été chez Noz.
plein de petits achats que je ne peux pas vous montrer, du coup c'est encore dans les cartons. Et puis ces deux autres plaques aussi, là, c'est chez un autre vendeur, c'est le même système sauf qu'elles sont roses, c'est que des motifs tribales. Voilà. Ah, on voit bien. Voilà. Pareil, 80 centimes. Là, c'était 80 centimes la plaque. Et je voulais absolument celle-ci, puisque, vous savez, je suis diplômée de Feng Shui. Et il y a des symboles que je connais, notamment celui-ci, qui est très rare à trouver. Alors, il est là. Là. Celui-ci, c'est le symbole. Donc, si vous l'avez chez vous en poster, en imprimé ou autre, c'est le symbole du double bonheur et du double amour quand on est en couple. Quand on est en couple, c'est bien d'avoir. Et du coup, j'adore ce symbole-là en plus. Et je vais le faire en stamping. Voilà. Je voulais vous demander si ça vous ferait plaisir que je vous fasse des petites vidéos très courtes avec toutes les photos de ce que je vais commander ou que je passe en commande dans la foulée sur AliExpress. Comme ça, quand la vidéo sortira après, vous savez quel article va vous intéresser ou voire pas du tout. Peut-être qu'il n'y aura aucun article qui va vous intéresser dans la vidéo qui suivra, donc 2 semaines ou 3 semaines après. Mais par contre, vous aurez la précommande, ce que je commande, les commandes en cours en fait. Donc ça, il faut me le dire. Ensuite, je me suis essayé récemment, la fille qui arrive 20 000 ans après, au vernis semi-permanent. Donc du coup, j'ai fait une French. Parce qu'avec mon boulot, le vernis, ça tient 3 jours. Et j'en avais un peu marre, et puis du coup, comme je veux vite le soir, si je dois vous faire une vidéo, faire un motif, tout ça, j'ai pas envie de tout refaire. Donc j'ai été chez Guiran, il y en a un peu partout en France. J'ai acheté la gamme Beauté Live, donc j'ai acheté le basse coat, le top coat et le blanc pour la French. C'est tout ce que j'ai pris au départ, et je l'ai fait, c'était pour le 15 août. Franchement, terrible, ça a tenu. Là, je l'ai refait parce que du coup, j'avais fait. Allez, on va parler comme dans le sud, à la Goulamas. Et là, hier, je l'ai refait. Mis à part un petit pet qu'il y a eu sur celui-ci, on le voit. Donc, je vais le refaire tout à l'heure. Et sur les deux index. J'ai dû gratter quelque chose, faire du ménage, je sais pas. Mis à part ça, ça bouge pas. En plus, avec cette petite vague blanche que mon chéri m'a offert, ça pète. Et donc, je vais me lancer dans l'expérience vernis semi-permanent. Je vais d'ici quelques jours faire une commande sur Indeed. Donc pour celles qui sont intéressées, je peux vous montrer le tuto. Enfin, c'est un tuto que j'ai pris sur YouTube, j'ai rien inventé. Par contre, je compte acheter chez Guiran le Magic Touch. En fait, c'est un produit qui permet. Vous faites une base, bon, le primer, la base, vous catalysez. Vous appliquez un vernis traditionnel. Dès qu'il est sec, vous appliquez le Magic Touch. Alors, il faut qu'il soit super sec. Et en fait, ça vous le rend semi-permanent. Du coup, parce que ça m'embêtait, j'ai 200 vernis. Bon, malgré que je vais les trier parce qu'avec le déménagement et tout, je vais m'en séparer de quelques heures. Je vais faire des cadeaux à des jeunes filles que je connais, dont les mamans travaillent avec moi au magasin. Et le reste, je vais les garder et pour m'en servir un peu. Donc, je vais acheter ça. Je vais en acheter donc sur Indeed et chez Guiran parce que je pense avoir une promo dans pas longtemps grâce à une copine. Donc Beauté Live, ça me va très très bien, c'est la marque Guiran. Après, si vous voulez que je fasse une revue, pas de soucis. Si vous voulez que je vous montre ma French, bon, là je l'ai faite, donc j'espère qu'elle va tenir. Mis à part ce petit pet que je vais refaire aujourd'hui, ça va tenir je pense 2-3 semaines. Mais enfin, si ça vous intéresse, pareil, vous un petit commentaire. Qu'est-ce que je vais présenter d'autre? Donc les vidéos en avant-première, ben, les photos de ce que je vais acheter sur AliExpress. Là, mon panier commence à être plein. Là, j'attends 2 thés pour le coussinage de mon nouveau canapé. J'ai acheté 2 thés Michael Kors. Une blanche, j'ai écrit Michael Kors en noir et l'inverse. Donc, je vais le recevoir bientôt. Des petits trucs pour la maison qu'il me fallait. Après, pour celles qui sont intéressées, comme on a un petit F2, donc là, je passe d'un 95 mètres carrés, j'avais une maison avec un F2. Donc là, autant vous dire qu'avec le maquillage et tout, c'est un peu compliqué. Puis mon chéri, pas trop que ce soit trop girly, je comprends. Mais moi, j'aimerais que ce soit bien cocooning. Ça en prend bien le chemin parce que c'est vraiment canon. Je regarde autour de moi au cas où. Je vais faire une vernitech par rapport au tuto que j'ai vu sur YouTube. Après, peut-être que je vous ferai, enfin, pour ceux qui sont intéressés, un petit room tour. Au moins de la pièce principale pour les personnes qui sont dans des petits espaces, qui vivent en couple, qui veulent pas trop. J'ai plein de petites idées. Enfin, là, j'ai fait le système des merdes, mais je crois que
ça va faire un beau truc, parce que déjà c'est canon. Déjà j'avoue c'est canon. Les couleurs chez nous c'est gris, noir, rouge et blanc. Mais tout le reste c'est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Enfin voilà, je crois que je vous ai tout raconté. La prochaine vidéo, il y aura mon chéri avec vous. Là, ben écoutez, j'attends vos petits retours. En tout cas, je suis contente d'avoir assez bien déblayé l'appartement pour pouvoir vous revenir aujourd'hui. Je suis trop heureuse d'être parmi vous à nouveau. Voilà, donc pour les commentaires, allez-y, hein, faut que ça pète. Comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et à très vite. Et merci d'être resté. Merci beaucoup. Au revoir.